Aggiungo un benvenuto in italiano, poi parleremo francese stasera. Eh, grazie a voi che siete presenti in sala, grazie a chi ci sta seguendo in diretta streaming, è quello che abbiamo imparato dalla pandemia, è una delle tante cose che abbiamo imparato. E vi porto anche i saluti del municipio di Lugano attraverso, attraverso le parole eh, di Roberto Badaraco che si scusa, non potrà essere qua con noi, ma ci teneva a lasciarvi un suo saluto. Bien, alors, nous, cette soirée, eh, faisons un voyage de réflexion. Et, et là, je vais changer de, 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 de langue. Et on, va, on va essayer encore une fois de réfléchir sur, sur le développement durable. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas une question liée simplement à, à l'environnement. Il ne faut, faut pas penser que c'est ça, parce que c'est une question éthique, c'est une question anthropologique, c'est une question de valeur, c'est une question du système économique. Et alors, c'est pour ça que c'est intéressant, cette question, parce qu'elle est complexe, elle est très complexe. Alors, voilà, et nous avons des données, et nous les connaissons très bien, j'espère que peut-être quelques données, on va les voir ce soir. Nous avons les données, mais un exemple, l'année passée, la quantité des de, de, de choses... Que l'homme a bâti, par exemple les routes, les, les maisons, les, les PC, les tables, les sièges, voilà. Ce qu'on a bâti, qu'on a construit sur la Terre, a dépassé en poids la biomasse. Donc la nature, les arbres, les animaux et tout ça. C'est intéressant, ça s'appelle l'anthropocène. Rien de plus facile, il n'y a rien de plus parlant de faire cette comparaison. Parfait, alors nous avons les deux, nous savons que la CO2 a augmenté, nous savons que le, le climat est en train de changer, nous savons qu'il y a le réchauffement climatique, nous savons, nous savons, depuis 50 ans, nous savons, mais nous ne faisons rien. Ou bien, pas ce qu'on devrait faire. Avec la pandémie, on a fait des choses spectaculaires, des milliards et des milliards de, de francs, d'euros, de dollars, ce que vous voulez, pour essayer de, de répondre à un problème. On a essayé vraiment de de sortir les grands moyens aussi de la science pour essayer de répondre à un problème. Mais avec les changements climatiques, on ne réagit pas de la même façon. Et pourtant, le problème, ça va être grave. Alors, c'est intéressant ça. C'est très intéressant. Pourquoi Alors, moi, je ne sais pas, on a quelques hypothèses, mais c'est pour ça qu'on a invité une personne. Et j'espère qu'on aura quelques éléments. Pour comprendre quoi l'homme, je pense, pour finir, pourquoi nous faisons certaines choses et nous faisons pas d'autres choses. Alors Dominique Bourg, bienvenue. Euh, il est philosophe, ça c'est intéressant. Vous voyez, il ne faut pas simplement des, des scientifiques de l'atmosphère, il faut aussi des philosophes qui, qui connaissent les données de l'atmosphère. Et il faut dire que c'est un philosophe particulier parce que aujourd'hui, il est encore professeur honoraire à l'université de Lausanne. Et et c'est un philosophe qui travaille dans un institut de géographie et durabilité. Donc, pour finir, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire C'est un spécialiste des questions de l'environnement. C'est pour ça que c'est une position intéressante. Les savoirs, vous voyez, les savoirs doivent se, se mêler, doivent dialoguer la philosophie avec les sciences de la terre pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire. Alors, on vous écoute très volontiers. Bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir, Lugano. Merci, cher monsieur. Mesdames, messieurs, bonsoir. Merci au lac aussi pour son, son invitation. Et désolé de vous parler en français, je serais incapable, malheureusement, de, de, de le faire en italien. Alors, en fait, ce que je vous propose, c'est un état des lieux. Et l'essentiel de l'état des lieux est scientifiquement sourcé. C'est plutôt vers la fin qu'on qu va aborder, si vous voulez, d'autres problèmes. Mais pour pouvoir aborder les pistes de sortie, c'est beaucoup dire. Il n'y aura pas de sortie, justement. C'est une des choses que que je vais vous montrer, mais pour aborder ces pistes, il faut avoir un petit peu une idée un peu plus précise du type de difficulté dans lequel on est. Quand on parle d'environnement, disons, si vous voulez, il y a trois fronts, pour dire les choses assez simplement. Vous avez le front du climat, mais faites attention, le climat, ça n'est jamais que les conditions optimales d'épanouissement d'un certain type de vie sur Terre. Et donc, on ne peut pas séparer climat de vivant. Là, on va parler aussi de biodiversité. Ça, c'est le deuxième front. D'une certaine manière, il est, il est plus important. Et, et le troisième front, c'est celui de nos ressources. Donc, je vais vous proposer un état des lieux assez précis sur chacun de ces fronts. Je m'apesanterai plus sur la question du climat que sur, sur les deux autres, parce qu'on a des connaissances plus précises et parce que c'est un peu ce qui impose le rythme, euh, le rythme général. Ce que vous avez sous les yeux... C'est des courbes qui sont très connues, c'est les courbes d'un labo de Stockholm, de Suède, le Resilience Center, qui est un très très bon labo à l'international. Et là, ces courbes, ce sont les courbes qui retracent ce qu'on appelle l'entrée dans l'Anthropocène. L'Anthropocène, comme vous le voyez, si on suit les courbes que vous avez sous les yeux, on y rentrerait à compter des années 50. Comme vous le voyez, c'est à compter des années 50 que toutes les courbes s'envolent vers le ciel. Donc en fait, les activités humaines, de façon générale, explosent. Alors, les deux premières courbes, tout en haut à gauche, vous avez la population mondiale. Entre 1950 et 2000, on est passé de 3 à 6 milliards. Elle a donc doublé. Nous sommes à quelques dizaines de millions près, très proche des 8 milliards. On pense au maximum qu'on attend encore à peu près 2 milliards d'individus sur Terre. Pratiquement tous vont être en Afrique. Et encore, pas de manière générale mais dans les couches les plus pauvres de la population. Et si on jette un regard un peu rétrospectif sur la question de la population mondiale, et si je remonte vraiment, par exemple, si je remonte au début du XXe siècle, nous étions 2 milliards, début du XIXe siècle, 1 milliard, au début de l'ère chrétienne, 350 millions, l'Empire de Rome. À l'apogée de l'Empire, c'est une soixantaine de millions de personnes, une ville d'un peu plus d'un million euh, d'habitants. Si je remonte au néolithique, eh bien là euh, on a une population qui, pour un maximum, a comporté quelques millions d'êtres humains sur Terre. Probablement au cœur du précédent âge glaciaire, la population était réduite à quelques dizaines de milliers d'individus. En tout cas, c'est une hypothèse qui peut, qui peut se défendre. Donc là, vous avez une première explosion. Juste après, la courbe après, c'est celle qui redresse le PIB mondial. Et là, durant le même espace-temps, c'est-à-dire le même pas de temps plutôt, 50-2000, ce n'est pas deux fois, c'est dix fois. Donc la richesse mondiale produite a été décuplée durant la seconde moitié du siècle dernier. Ensuite, après, vous avez certaines courbes, certaines retracent la progression de nos activités économiques et d'autres, les effets sur le système Terre. Vous avez par exemple tout en bas à droite l'augmentation de la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est 47% en plus par rapport au 19e siècle. Les pertes en termes de biodiversité, etc., sur lesquelles je, je reviendrai. Et pour vous donner un peu le ton, ben voilà par exemple, ce que vous avez en pointillé, c'est une projection. Ce n'était pas une prédiction. Hein. C'est une projection produite par euh, l'équipe des Meadows, euh, qui a euh, rendu au Club de Rome un, un rapport. Ce rapport reprenait le premier modèle informatique, le modèle numérique de la planète, le modèle Forestier. Ils ont retenu six entrées, et en dehors des ressources, et toutes les autres connaissent une sorte de courbe en cloche. En pointillé, c'est la projection de 72. Là, c'est un des douze scénarios produits par ce rapport et par l'équipe de chercheurs, notamment les Meadows. Et euh, là, c'est le scénario, vous avez un pointillé, c'est le scénario standard run. C'est-à-dire, c'était le scénario business as usual. Et c'est effectivement celui qu'on a suivi. Ce n'est pas très étonnant. On continue d'ailleurs à suivre à peu près le même. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, toutes les courbes entre 2020 et 2040 commence à s'inverser. Donc ce schéma-là, c'est un des schémas que vous avez, euh, ces graphes-là, c'est un des, une des données, si vous voulez, que vous avez derrière les théories de, évidemment, vous en doutez, les théories de l'effondrement. OK, donc là, vous êtes un petit peu au, au, au parfum. Alors, ce qu'on appellerait l'Anthropocène, ça serait l'époque qui aurait commencé à compter les années 50, à compter de la grande accélération de nos activités et de la démographie humaine. Et l'Anthropocène, on sait en gros quand ça commence. Enfin, en tout cas, ça y est, on commence à s'entendre assez là-dessus. On ne sait pas du tout quand ça finit. Ce qu'on sait, c'est que ça rend la petite période précédente, ce qu'on a appelé l'Holocène, qui aura duré 11 700 ans. L'Holocène, c'est la période géologique vrai, qui nous sépare du précédent âge glaciaire. En tout cas, de la fin, fin du précédent âge glaciaire, quand vous n'avez plus d'effet rebond. Là, on est vraiment définitivement sorti, enfin définitivement, pour quelques milliers d'années, sorti du précédent âge glaciaire. Et l'Holocène, c'était la période qui a été la plus calme de l'histoire de la Terre. C'est la période durant laquelle on a inventé l'agriculture. C'est la période pendant laquelle on a connu l'essor des grandes civilisations. Donc, déjà, vous allez comprendre l'enjeu, puisque qu'est-ce qu'on fait On ferme définitivement cette période. C'est ça que signifie l'Anthropocène. On en sort. Donc, nous sommes une espèce relativement curieuse. On met fin à la période qui a permis notre essor. Si vous voulez avoir une traduction canine, ça s'appelle rentemplant hein, le chien idiot. Bon on se comporte à peu près comme ça à, à l'échelle du genre humain. Alors ensuite là, très première chose sur laquelle je veux attirer votre attention, deux choses d'ailleurs. Deux choses, d'une part c'est la profondeur de nos connaissances, du moins en tout cas en ce qui concerne le climat. Et deuxièmement que ce soit le climat ou que ce soit l'évolution de la vie sur terre, ce qui est dangereux, ce qui est extrêmement problématique, c'est la rapidité du phénomène. Alors, je vais vous la faire comprendre, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en fait, quand on passe, là nous sommes toujours dans le quaternaire, le quaternaire ça dure depuis 2 600 000 ans, c'est la grande séquence géologique qui est caractérisée par le fait que vous avez de la glace au pôle. Et donc, ce quaternaire, qui dure depuis 2 de 600 000 ans, a été caractérisé par une alternance entre des périodes glaciaires longues et des interglaciaires courts. En général, quand on passe d'un interglaciaire à un glaciaire ou vice-versa, écoutez-moi bien, la température augmente ou descend d'un degré par millénaire. Et bien là, grosso modo, je dis bien grosso modo, durant les 40 dernières années, la température moyenne sur Terre a augmenté d'un degré. Donc vous voyez très bien l'accélération. Et l'accélération continue. En fait, l'augmentation, si vous voulez, de la température moyenne, et puis surtout l'augmentation des, des, des événements extrêmes sur lesquels je reviendrai, elle est totalement calée sur l'augmentation de nos émissions, sur nos courbes d'émissions. Nos courbes d'émissions augmentent. Et donc le changement lui-même, le changement climatique, lui, s'accélère. Il est déjà très rapide. Et ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est le moment où le temps de l'histoire s'entrechoque avec le temps de la géologie. Et c'est ça qui est effectivement aujourd'hui très très problématique. Quelques mots en termes d'histoire des sciences, si vous voulez, mais c'est vraiment important. En fait, toute cette histoire du climat, tous les fondements scientifiques qui sont les nôtres pour comprendre ce qui nous arrive, et on ne comprendrait pas sans les sciences du climat, que la chose soit claire. Avec nos sens, on serait perdu. Eh bien, toute cette histoire, elle commence à la fin du XVIIIe siècle. Petite anecdote, fin du XVIIIe siècle, Horace Bédélic de Saussure, savant genevois, avec le français Balma, gravit le Mont Blanc. Et il constate ce qu'on savait déjà, je vous rassure, mais que, depuis la Terre, bien sûr, évidemment, depuis la Terre, quand on se rapproche du Soleil, eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait quoi qu'on pourrait s'attendre intuitivement, c'est-à-dire qu'il fasse plus chaud. Au contraire, quand on se rapproche depuis la Terre du Soleil, il y fait plus froid. Tout simplement parce que les gaz qui font qu'on a une certaine température au sol se raréfient. Et ça, c'est très important. Faites bien attention, la température moyenne sur Terre, ce n'est pas que le Soleil. Si vous n'aviez pas l'atmosphère telle qu'on la connaît, avec les gaz qui s'y trouvent tels qu'ils sont répartis, la température sur Terre serait de moins 18 degrés. Donc, ne remerciez pas le Soleil tout seul du fait que vous pouvez vivre sur Terre. C'est aussi grâce à l'atmosphère et à la vie elle-même a contribué à cette atmosphère. Sauf que maintenant, il y a un vivant un peu particulier qui s'appelle l'espèce humaine, qui est assez bizarre et qui lui est en train de détruire ce bel équilibre. Sans l'atmosphère telle que nous la connaissons ou telle que nous la connaissions. Eh bien, il ferait moins 18 degrés sur Terre. Le premier, et c'est important, le premier des gaz à effet de serre, ce n'est pas le dioxyde de carbone, ce n'est pas le CO2, ce n'est pas le méthane, ce n'est pas le CH4, ce n'est pas le protoxyde d'azote. Non, c'est la vapeur d'eau. H2O. Ça, c'est très important à bien savoir. Alors, pourquoi on prend comme référent le, le dioxyde de carbone, le CO2 Tout simplement parce qu'on agit indirectement sur la vapeur d'eau, très peu directement, mais massivement sur le CO2 vraiment très massivement et très rapidement. Mais c'est en gros à, peu, à peine plus de 25% du gaz, de l'effet de serre, le CO2. Mais on en a complètement changé la composition. Je viens de vous, le, de vous le rappeler. Ok, donc ça va très vite et on joue sur une loupe. Les gaz à effet de serre, c'est une loupe. Et nous, on augmente l'effet de concentration d'une de ces loupes. et Une loupe très importante. C'est ça l'effet de serre. Alors, ensuite, pour le vivant, c'est un petit peu différent. Euh, effectivement, ça va très très vite aussi. Si vous voulez, si on regarde, vous savez que la vie sur Terre, elle se déploie depuis 3 milliards et demi, 4 milliards d'années. Ça fait 500 millions d'années qu'on connaît une vie beaucoup plus fournie, avec des êtres beaucoup plus complexes. Et, et là, le... Le, le rythme, si vous voulez, si je prends depuis les 500 millions d'années, le, le rythme de, de disparition des espèces, on l'a augmenté d'un facteur entre 100 et 1000, et on pense maintenant probablement beaucoup plus proche de 1000. Mais attention, c'est parce qu'on est dans une accélération, c'est la même chose, ça va très 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 vite. En fait, là pour le moment, on n'a détruit que 5%, c'est déjà énorme, 5% de la vie sur, enfin. De la vie. 5% des espèces, nous les avons déjà détruites. Sur les 8 millions, on ne sait pas exactement combien il y en a, mais on pense qu'avec 8 millions, on a un ordre de grandeur correct. Il y a 1 million qui est menacé, 500 000 qui sont déjà d'ores et déjà condamnés, les autres 500 000, très probablement. Et, et, et ça, en très peu de temps. En revanche, quand on regarde les extinctions massives d'espèces qui nous ont précédés, quand on parle d'une extinction massive, c'est lorsque entre un temps T et un temps T plus 1, vous avez jusqu'à, enfin au moins, pas jusqu'à, au moins 75% des espèces vivant à l'instant T qui ont disparu à l'instant T plus 1. Mais, mais ce n'est pas en un siècle. C'est au moins 100 000 ans quand ce n'est pas plus. Et donc là, 5% en quelques décennies. C'est pourquoi on parle d'extinction, de, de sixième extinction. Et avec en plus un effondrement, on va y revenir, extrêmement rapide de certaines populations. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc là encore, le facteur rapidité est un facteur très important, si vous voulez, du, des dangers dans lesquels nous nous enfonçons. Ce qui est très dangereux, c'est la rapidité avec laquelle tout ceci est en train de se, de, de se passer. Alors, très vite, juste quelques ordres de grandeur. En fait, le, le degré de concentration, si vous voulez, du dioxyde de carbone dans l'atmosphère pendant, en gros, le, le Quaternaire, il, il a oscillé entre 180 et 280. Hein, on est plus près de 180 quand c'est très froid, on est à 280 quand il fait, quand il fait plus chaud. Et or aujourd'hui, on est à 450. Alors 450 quoi 450 ppm, c'est-à-dire parties par million. En d'autres termes, aujourd'hui, si je prends ici à l'ugano, un volume d'un million de molécules d'air, j'ai 420 molécules de dioxyde de carbone. Vous vous dites, mais foutez-moi, c'est tout petit. Ben oui, et justement, c'est ça qui est inquiétant. C'est tout petit et très puissant dans son effet. Et maintenant on augmente pratiquement à raison de 3 ppm de plus par an. Donc en 10 ans, on a entre 25 et 30 ppm. C'est-à-dire que dans 10 ans on sera à 450 ppm, c'est là le seuil hyper dangereux. Où on risque déjà les plus 2 degrés sur lesquels je, je reviendrai. Et donc, là, 420 ppm, c'est à peu près ce qui existait il y a 4 millions, 4 500 000 ans, avec une température sur Terre qui était de plus 2 à plus 3 degrés par rapport à ce qu'elle est. On est revenu pratiquement au pliocène en termes de concentration du, du CO2 dans l'atmosphère. Alors, on émet en gros 10 milliards de tonnes par an, ça c'est en carbone, si je traduis en CO2, je multiplie par 4, 40 milliards de tonnes, j'y rajoute les incendies de forêt, les autres gaz à effet de serre, etc. Et chaque année, on introduit un peu plus de 50 gigatonnes, milliards de tonnes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est gigantesque. C'est pourquoi on parle d'anthropocène, c'est-à-dire que les ordres de grandeur sont vraiment désormais à l'échelle de la Terre et l'espèce humaine, par ses activités économiques et par sa démographie, est devenue vraiment le facteur premier d'évolution du système. Euh, les dix dernières années ont été les plus chaudes, etc. Alors, euh, première, autre chose aussi très importante, comme vous le savez, le GIEC a été créé en 88, hein, 1988. Depuis 1988, nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale n'ont jamais cessé d'augmenter, à deux exceptions près. 2009, la crise des subprimes, et 2020, la Covid. En 2010, on a rattrapé tout le monde qui a gagné de 2009, et on est à peu près parti pour faire le même exercice, la même prouesse en 2021. Alors, la croissance économique sera beaucoup plus forte partout. Et donc, on va rattraper à peu près les 7 que n'a pas émis par rapport à 2019 en 2020. Si on voulait éviter, si, vous voulez, si on voulait éviter d'exploser les plus de degrés, eh bien, il faudrait réduire nos émissions déjà depuis l'an dernier. C'est donc déjà mal parti de 7 par an. Alors, 7% par an, vous avez dire, si, on l'a fait en 2020, mais c'est pour la Covid. C'est évidemment pas du tout par souci du climat. Et je viens de vous le dire, là, on aura au moins plus 12% en plus, à peu près, on, on verra, on le saura au début de l'année prochaine. Donc, euh, voilà, très, très rapidement. Là, vous avez une courbe, regardez surtout la courbe du haut. Là, on commence en 1850, souvent dans le GEC, maintenant, on commence en 1900, donc... Le, le, le GIEC est d'une pédagogie absolument folle, si c'est-à-dire que pour perdre les gens, ils sont assez forts. Enfin bon, peu importe, là, je garde 1850. Entre 1850 et aujourd'hui, la température sur Terre moyenne a augmenté d'un degré virgule deux. Un c'est vraiment important. C'est à peine plus que ce qu'on a connu en moins pendant le petit âge glaciaire. Le petit âge glaciaire, il commence tout doux, tout doux, tout doux au début du XIIIe siècle, en général sur Terre. Il sera sensible en Europe. Au début du deuxième tiers du XIVe siècle, il arrive à, pour l'ouest de l'Europe en même temps que la guerre de Cent ans. Donc imaginez ce que la génération qui a vécu là a vécu. La guerre de Cent ans, plus le début du typage glaciaire. Et en 20 ans, c'est si une productivité céréalière, productivité des légumineuses, les, la productivité piscicole, des étangs, des mares, tout ça s'effondre. Et donc en fait, quand la peste noire arrive dans la partie ouest de l'Europe, 1347, 1349, ça vaut pour ici, ça vaut en Allemagne, etc. Eh bien, là, c'est entre un tiers et les deux tiers de la population qui disparaissent parce que la peste noire atteint une population dénutrie, affaiblie par le changement climatique. D'accord Alors, là, les deux dixièmes que l'on voit, qui augmentent entre 1850 et 1940, ces deux dixièmes que l'on prend, on n'y est pour rien, nous autres, les êtres humains. C'est vraiment la fin du petit âge glaciaire. Après, vous avez un plateau, je vous expliquerai ce plateau. Et comme vous le voyez, la température commence à augmenter très sensiblement à partir de la fin de la décennie 70. Et là, vous avez un degré d'augmentation de la température en 40 ans, c'est gigantesque. Vous aurez probablement encore 8 dixièmes de degré d'ici 20, 30, 40 ans. Au maximum. 50 ans, au grand maximum. Bon, et donc ça va très vite. Et là, évidemment, euh, on ne voit pas trop l'accélération parce qu'on a un pas de temps court. Évidemment, si je prends une courbe au beaucoup plus long cours, bah, ça vous donne la fameuse crosse de hockey. Ça, ça, ça monte terriblement euh, dans les, 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 les dernières époques. Alors, euh, on y va. Là, c'est euh, les scénarios du, du GEC. Alors, comme toujours, ça, c'est un scénario qui a été publié en 2013. Euh, on, on a des scénarios qui s'écartent très rapidement alors qu'en fait on n'a aucune politique publique qui ait changé quoi que ce soit. Moi je préfère un modèle. Ah, Excusez-moi, je suis allé trop vite. Euh, voilà, je préfère ce ces -là. modèle là. C'est le modèle d'un des labos, l'IPSL. Là effectivement, vous avez même une température moyenne, c'est le plus pessimiste des modèles. Vous avez les 2 degrés, on les atteint dès la décennie 2040, mais en tout cas au moins on a une divergence qu'à partir de ce moment là on a. Euh, on a Toujours pas entamer une politique de réduction de nos émissions. Donc les divergences peuvent être que très faibles, elles sont liées à des hypothèses sur le type de sensibilité du climat à nos émissions. Il y a une fourchette, donc ça fait des variations assez faibles. Pour avoir des variations importantes, comme vous le voyez sur ce scénario, il faut qu'on ait des scénarios d'émissions qui changent. Là, évidemment, ce n'est pas le cas, d'où le côté gênant du, du, du schéma du, du, du GIEC avant. Je vais très vite. Alors, je vais essayer d'aller à l'essentiel pour, pour prendre des aspects plus généraux, si vous voulez. Mais de façon générale, on a une accélération de ce qu'on appelle les événements extrêmes. Alors, je vous rappelle vraiment les, les, les grandes choses qu'il faut savoir sur le climat. Vous avez quatre conséquences directes. Hein. La première, c'est une élévation de la température moyenne. La deuxième conséquence générale, c'est une modification du régime des pluies. Grosso modo, là où il pleuvait beaucoup, il pleuvra plus, et là où il pleuvait peu, il pleuvra moins, donc ça n'arrange évidemment pas nos affaires. Euh, c'est la montée du niveau des mers, qui parfois peut être compensée par le fait que certains continents remontent, par exemple tout ce qui est Arctique et Antarctique, parce que ça fond, donc ça, ça remonte un peu, l'Islande aussi remonte un petit peu. Et puis euh, la quatrième conséquence, c'est en fait celle par laquelle on est le plus sensibilisé au changement climatique, c'est celle qui touche vraiment nos sens, ce sont tous les événements extrêmes. Les événements extrêmes, c'est les vagues de chaleur, c'est les vagues de sécheresse, ce sont les cyclones, cyclones de catégorie 5. Il n'y a pas plus de cyclones, mais il y a beaucoup plus de cyclones de catégorie 5, et même maintenant, on est vraiment souvent en haut de la catégorie. Avec des rafales de vent qui peuvent flirter avec les 400 km/h, en tout cas jamais en dessous de 200 maintenant, quand on a un cyclone de catégorie 5. Vous avez les méga-feux. Méga-feux, ce n'est pas méga pour rien, c'est-à-dire que la chaleur au sol peut être jusqu'à 10 fois supérieure avec celle d'un feu traditionnel. Et vous avez des flammes qui, même quand vous avez un séquoia, peuvent monter jusqu'en haut. D'où en Australie, vous en souvenez, les pauvres koalas qui tombaient comme des mouches parce que eux, par réflexe, ils se réfugient sur la cime des arbres parce qu'elle n'est pas atteinte. Quand c'est des très grands arbres, elle n'est pas atteinte par un feu traditionnel, elle l'est par un méga-feu. Vous avez les inondations, vous avez vu en Allemagne, vous avez vu en Belgique, vous avez vu au Japon, vous avez vu en Chine, au Pakistan, etc. On a maintenant désormais des, des inondations hors normes, évidemment, puisqu'il y a plus. De vapeur d'eau, plus de pluie, un régime des pluies plus intense, bah évidemment, vous avez des inondations plus, plus fortes. De même, tous ces phénomènes dont je vous parle, c'est tout simplement parce que bah, la chaleur, c'est l'énergie. Vous avez plus de chaleur, donc plus d'énergie, et donc une dissipation d'énergie parfois plus concentrée, avec des événements euh, qui sont beaucoup plus euh, violents. Euh, j'ai dû faire le tour euh, pour les conséquences vraiment directes, si vous voulez, du, du, changement, euh, du changement climatique. Je reviendrai sur les, les atteintes à la production alimentaire. Vous verrez, je, je vais le faire de manière plus synthétique tout à l'heure. Et, et là, euh, ça va trop vite, décidément. Euh... Voilà. Donc simplement, jusque, je dirais que jusqu'en 2017, pour un citoyen lambda, et avec nos sens qu'on peut repérer, même quand on pouvait établir une série sur plusieurs années, on ne voyait pas tellement dans les événements extrêmes la trace du changement climatique. En fait, elle est devenue très visible depuis 2018. Et vous en êtes aperçu vous-même, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, eh bien autrefois, vous, vous n'aviez, par exemple en Europe, ce n'est pas tous les ans que vous aviez une canicule importante, c'était peut-être tous les 10 ans. Désormais, on a des canicules en Europe à différents endroits systématiquement plusieurs fois dans l'année. Et vous pouvez avoir des canicules en Russie, vous pouvez les avoir au sud de l'hémisphère nord, vous pouvez les avoir en, 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 au Canada, aux États-Unis, etc. Et de même dans l'hémisphère sud. Et donc, les, les événements extrêmes deviennent plus extrêmes, sont visibles, et maintenant, on atteint, si vous voulez, des choses qu'on n'a jamais à La première fois, c'était 46 degrés dans un petit village de l'Hérault, dans le sud de la France. On était fin juin. Ça a détruit tous les jeunes plants de vigne. Ça a détruit les, les feuilles de certains cépages parce que ces feuilles n'étaient pas encore matures. Mais euh, cette année, c'est terrible. Vous avez eu 49,6 à Lytton, à 200 km de Vancouver, pourtant une latitude euh, relativement au nord. Vous avez eu 48 degrés en Sibérie. Au sud du cercle arctique, 48 degrés, alors que vous n'avez eu que 48,7, si j'ose dire, à Syracuse. Et en fait, petite anecdote, il y a quelques années, était sortie une étude de Météo France en France, où on nous disait ben voilà, un pays comme l'est de la France, l'est de la France, justement, pas le sud, l'est de la France pourrait connaître à la fin du siècle des températures situées entre 50 et 55 degrés. Tout le monde leur avait rionné. Vous avez eu 50 degrés cet été à Athènes sur l'acropole, qui était fermée au tourisme. Vous avez eu 49,6 à Lytton. 48, je viens de vous le dire, au sud du cercle Arctique. Donc effectivement, on est à 1-2 degrés en moyenne. Le GEC vous donne un 7 parce que précisément il démarre en 1900, en 1900 au lieu de démarrer en 1950, mais peu importe. On a grosso modo un degré de plus. Et on a déjà ces températures. Rajouter un degré, effectivement 50 degrés à Paris, 52, ce n'est pas du tout absurde, avec une Seine transformée en cloaque boueux l'été. Ce n'est pas « on va à la piscine hein, », le changement climatique. On va à la piscine plus souvent, c'est vraiment tout autre chose, je vais, je vais y revenir. Alors, justement, ben, pendant j'y suis, allons-y. En fait, c'est quoi l'enjeu Là, c'est pour vous montrer les températures. Donc, plus c'est gros, plus vous avez de jours à, à, qui, qui sont entre 25 et 30 degrés. Là, ça s'arrêtait en 2019 et vous voyez une projection, mais ça n'est qu'une projection. Bon, évidemment, euh, et là, cette fois-ci, euh, vous avez des, des climats dans nos, sous nos latitudes qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient. Il y a encore 10 ou 20 ans. Si vous ouvrez un vieux guide bleu, hein, un vieux guide bleu des années 50-60, on vous dira à la France, pays tempéré avec des températures l'été entre 22 et 24 degrés, pour rigoler. <laughs> Moins de 30 en France l'été, c'est très rare aujourd'hui. Euh, ok, on continue. Donc là, bah, évidemment, avec les projections jusqu'à la fin de siècle, la fameuse canicule de 2003, c est, c est... on est au frais. Donc là, c'est pour vous montrer une inondation hors norme. cest là, évidemment, le coût des inondations aujourd'hui est bien supérieur à ce qu'il était autrefois parce que vous avez énormément d'infrastructures numériques, informatiques, électroniques qui sont au sol. Donc les coûts sont très différents de ce qu'ils pouvaient être. Je passe. Ça, c'est la mer de glace, mais le glacier d'Aletsch, ça serait pareil. Ça, c'est les scolites. Donc là, on est du côté de Vancouver. Donc une attaque de scolites. Les scolites attaquent parce que la forêt des dépérit. C'est pas l'inverse, hein. attention. C'est la sécheresse qui fait que les squelettes vont, vont attaquer, la, 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 la forêt se, se défend alors très mal, ça donne ça. Alors maintenant, on a ça dans nos paysages aussi, là, on est toujours du côté de Vancouver, mais on commence à connaître ça. Par exemple, je travaille pour l'État du Luxembourg, un tiers de leur forêt est comme ça. Tous les résineux à cette latitude-là sont, 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 sont condamnés à, à, à mort, en tout cas. Au moins pour un, pour, un, pour un certain temps. Parce que c'est vrai que les arbres nous réservent parfois des. des... Vous savez que les, les, les végétaux ont des génomes beaucoup plus fournis numériquement que les animaux. Donc, ils restent sur place et donc ils nous réservent des surprises parfois assez étonnantes, nos amis et les arbres. Dieu merci d'ailleurs, vu ce qui va nous attendre. Là, c'est juste un peu pour le fun, c'est juste pour vous montrer. Là, on est Ophélia, cyclone dans l'Atlantique Nord, d octobre 2017. En fait, dans... on pensait que c'était impossible. Un cyclone dans l'Atlantique nord-est. Ah non, Niette, on a déjà eu ça à Sandy, on n'aura pas ça dans l'Atlantique nord-est. Et en fait, bah si, le cyclone commençait en Espagne et il s'arrêtait au nord de la Finlande, mais vous n'aviez aucun modèle sur Terre à l'époque apte à vous le modéliser. Ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. bah Si, <laughs> ça existe, la preuve. Alors là, ce n'est pas évidemment les zones les plus arides, c'est les zones où l'aridification va être la plus rapide. C'est pas la même chose donc un changement global vraiment énorme vais. alors en fait juste avant de vous donner la, la, disons le sens général du changement climatique que vous comprenez bien en fait je vous ai parlé tout à l'heure de la barre des deux degrés la barre des 2 degrés elle a deux aspects très importants le premier aspect important c'est que franchir, alors là c'est pas une année c'est la moyenne de 2 degrés c'est le moment euh, bah, ça devient extrêmement dangereux tout simplement parce que là on commence à rendre probable et on n'est pas capable de le calculer, mais on sait qu'on rend probable ce qu'on appelle un emballement du système. Vous vous en souvenez tout à l'heure, vous avez dans la courbe sur les températures, il y a un plateau de 40 à la fin des années 70. Alors que je vous ai montré que les courbes commencent à augmenter à partir de 50. C'est facile à comprendre. En fait, quand vous émettez une molécule de dioxyde à carbone dans, dans l'atmosphère, elle ne déploie instantanément qu'un tiers de son pouvoir de réchauffement. Les deux autres tiers elle les déploie dans les décennies qui vont suivre, jusqu'en gros en concurrence d'un siècle, par des, notamment, c'est plus compliqué, mais notamment par des phénomènes de rétroaction positive. Je vous en donne un. Je vous ai dit tout à l'heure que la vapeur d'eau était le premier des gaz à effet de serre. Donc quand vous enrichissez l'atmosphère en dioxyde de carbone, il fait plus chaud. S'il fait plus chaud, bah, l'eau s'évapore plus. Donc vous avez plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Et comme vous avez plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère et que c'est le premier des gaz à effet de serre, il fait donc à nouveau plus chaud. S'il fait plus chaud, il y a plus de vapeur d'eau. S'il y a plus de vapeur d'eau, il fait encore plus chaud. S'il fait plus chaud, il y a encore plus de vapeur d'eau. Donc, ça monte en spirale. Et là, vous pouvez avoir un emballement du système. De même, par exemple, la, la calotte estivale, la glace sur la mer, euh, durant, durant l'hiver et durant l'été, estivale, hein, eh bien, euh, comme elle est claire, elle renvoie l'énergie solaire dans l'atmosphère. Lorsque la glace fond, elle est remplacée par la couleur blanche de la glace est remplacée par la couleur sombre de la mer. Or la couleur sombre absorbe beaucoup plus de chaleur. Donc moins il y a de glace, plus il y a de mer, plus ça se réchauffe. Plus ça se réchauffe, moins il y a de glace. Moins il y a de glace, plus ça se réchauffe, plus il y a de mer, moins il y a de glace. Et c'est pareil. On remonte, on remonte en spirale. Donc l'angoisse c'est effectivement qu'on enclenche une dérive du système Terre qui ferait qu'à un moment donné, si vous voulez, la, la, la planète évoluerait vers une planète étuve, mais il n'y aurait plus aucun lien avec nos émissions. Donc ça ne serait pas en les réduisant, on peut toujours rêver, mais ça ne serait pas en les réduisant qu'on pourrait infléchir le système. Il serait plus lié à nos émissions. Ça, c'est le scénario cauchemardesque. Autre scénario cauchemardesque, la vie sur Terre, elle est complètement unie alors évidemment il y a une unité moléculaire hein, l'ADN etc mais il y a aussi une unité si vous voulez dans, dans, dans les phénotypes tout simplement parce que je viens de vous le rappeler, on a connu pendant presque 3 millions d'années une alternance période glaciaire, période interglaciaire durant les interglaciaires qui sont plus longs 80 000 ans pour 20 000 ans en général interglaciaire, en tout cas au moins pour les, les 500 000 dernières années et eh bien là le vivant quand la planète se gèle le vivant se rassemble sous les tropiques et donc toutes les espèces sont en interaction. Et, et, et le, la chaleur moyenne sur Terre, durant ces 3 millions d'années, n'a jamais dépassé plus de 2 degrés par rapport au milieu du 19e siècle. Donc dépasser ces 2 degrés, c'est se retrouver dans une situation de température moyenne qui va dépasser les capacités d'adaptation, en tout cas de confort, de toutes les espèces vivant sur Terre. Plus on s'éloigne des 2 degrés, et plus effectivement on augmente le danger. Alors comment on peut traduire ce danger? C'est assez simple. Euh, là je passe, je passe. En fait, l'enjeu, c'est l'habitabilité de la Terre. Première chose à laquelle vous devez être attentif, c'est que nos sciences et nos techniques n'ont jamais changé en quoi que ce soit l'habitabilité de la Terre. Vous avez bien si on, vit, on peut vivre en Antarctique. Non, attendez, vous rigolez. On ne vit pas en Antarctique. Quand on séjourne dans une station scientifique en Antarctique, c'est parce qu'on apporte de l'énergie, parce qu'on apporte de la nourriture, des vêtements, etc. d'ailleurs. Si on coupait le cordon ombilical entre une station scientifique et, et le continent, tous les scientifiques meurent en un temps assez court. Donc, non, nos sciences et nos techniques n'ont jamais changé, enfin, ne nous ont jamais permis d'habiter de façon autonome. En dehors de cette marge, entre 11 degrés de température moyenne, 15-16 degrés pour la partie la plus élevée. Ça, c'est là où on est capable d'habiter. Vous allez me dire, mais si on n'est plus capable d'habiter sur Terre, on va aller sur Mars. Je vous arrête tout de suite. Hein. Écoutez bien, on ne serait pas capable de restaurer la vie sur Terre et on irait la produire là où elle n'existe pas. Il y a un petit problème de raisonnement. Ensuite. Aller d'ici sur Mars, on peut le faire qu'à certaines périodes, et c'est sept mois. Sept mois dans une toute petite capsule. C'est que notre organisme, il est adapté à la gravité terrestre. Et donc, prenez un, un astronaute qui est dans la station spatiale, il reste pas plus de sept mois d'ailleurs justement, et quand ils reviennent, ils ont perdu une part de leur masse musculaire, une petite part de leur masse osseuse. Et il leur faut des années pour récupérer totalement ce qu'ils ont perdu. Donc voilà, j'ai fait un voyage dans une petite capsule pendant 7 mois, j'arrive sur Mars. Sympa, je suis un mollusque. Je peux pas sortir de ma capsule. Si je ne veux pas être tué rapidement par les rayons, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère qui me protège, les rayons cosmiques, je dois revêtir pendant un certain temps une combinaison de 30 kilos. Pour un mollusque, c'est difficile, même avec des... comme les poulpes, hein, ça va être dur. Et puis ensuite, bah évidemment, je n'ai rien à manger. Voilà, voilà, hein, il faut que je me terre. Je suis toujours dit faut que je me Mars hein, pour être abrité du rayonnement cosmique. Alors vous allez me dire ce n'est pas grave, on va terraformer Mars. Oui, c'est sympathique. Alors la Terre, la terraformation de la Terre, ça a mis plusieurs milliards d'années. Je, je vais être très sympa avec vous. Je vous donne un milliard d'années pour terraformer Mars. Bien, une fois que vous avez fini, vous devez recommencer. Parce que la masse de Mars est trop petite pour maintenir une atmosphère de type terrestre. Elle partirait dans l'espace. Et ça n'empêche pas des couillons, genre Musk, genre Bezos, de vous raconter ce gendarmerie. C'est gravissime. Alors, je referme ma, tempéra ma, ma température. <laughs> c'est là, malheureusement, j'ai peur de ne pas pouvoir la refermer. Je referme ma parenthèse, c'est plus facile à refermer. Et donc, on pourrait très bien avoir, si vous voulez, je vais revenir, un tiers de la surface terrestre qui ne serait plus habitable. Alors, c'est quoi Qu'est-ce qui menace l'habitabilité de la Terre ben, Premièrement, vous avez une réduction physique de l'habitabilité. Après, vous avez une péjoration de l'habitabilité. On va commencer par la réduction physique. On aura probablement entre 1 mètre et 2 mètres d'élévation du niveau des mers d'ici à la fin du siècle, en gros et en moyenne. Regardez la carte, ça change beaucoup. On est à peine à 3, on est presque près de 4 mm, c'était avant 3 mm, mais c'est exponentiel, donc ça va aller très vite. Et donc, ben oui, là, et ça, ça va durer des millénaires. Hein, une fois que c'est parti, c'est réversible. Ça va durer des millénaires. Ça va se rétrécir. Les côtes vont, vont, vont se retirer, en quelque sorte. Ça, c'est la première chose. Vous avez des régions qui vont devenir arides. Plus qu'aujourd'hui. Vous avez des régions où on finira par ne plus pouvoir habiter. Parce que vous aurez trop de cyclones de catégorie 5. Parce que vous aurez des phénomènes de pluviosité comme vous les avez connus euh, pas très loin d'ici, mais aussi, par exemple. Dans la vallée de la Roya, de la Vésubie, en octobre dernier, euh, pas cet octobre, pas ce mois-ci, mais l'an dernier, etc. Il y a des endroits, on ne pourra plus avoir d'habitat continu. Déjà pour les, pour la Martinique, la Guadeloupe, on se demand, on s'est demandé s'il fallait reconstruire. Et quand vous avez un, des rafales de vent qui dépassent les 200 km/h, et quand elles dépassent même les 300, c'est la moitié de l'effet du souffle d'une bombe. Les, la gendarmerie, par exemple, à Saint-Barthélemy. Donc dans les Antilles françaises, lors d'un précédent cyclone, il ne restait que la cave. Toutes les constructions en briques avaient été détruites. Parce que c'est comme le souffle d'une bombe. Vous n'avez pas forcément envie d'y revenir. Hein. Là, ce sont des gendarmes, ils n'ont pas le choix. Mais si effectivement ça se reproduit tous les 10 ans, tous les 15 ans, à un moment donné on va, on va arrêter de reconstruire. Ok, ça c'est le euh, les premières réductions vraiment physiques. Vous avez un deuxième phénomène, mi-physique, mi-biologique, ce qu'on appelle la chaleur humide. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vous ai donné les deux villes où ça s'est produit. La chaleur humide, c'est très simple à comprendre. Nous sommes des machines thermodynamiques par certains côtés, Dieu merci pas que ça, mais quand même, on doit réguler notre température intérieure. On la régule pour la maintenir à 37 degrés. Maintenant, attention, il fait 35 ou 36 dehors, mais j'ai un degré d'humidité de l'air qui, qui dépasse les 80%. En fait, là, le phénomène par lequel je régule ma température interne, c'est-à-dire la transpiration, qui physiquement va retirer la chaleur de mon corps. Ça ne marche plus. Je ne peux plus réguler ma température interne, je meurs en quelques heures. Comme toujours, et même pire, parce que là, moi, le premier papier que j'ai lu dans la littérature scientifique sur ce sujet, c'est 2014. Évidemment, comme toujours, on pensait que ça arriverait dans la deuxième moitié du siècle. Nous sommes des animaux. Très optimiste en général. Et donc on pensait que ça arriverait dans la deuxième moitié du siècle. Ça s'est produit cet été, les amis. Ça s'est produit dans une localité du Pakistan et ça s'est produit dans le golfe persique. Évidemment, ça se produit sous les tropiques il n'y a pas de saison. Donc ça peut se produire à n'importe quel moment de l'année. Et ça peut devenir chronique. Dans certains schémas, je vais vous les montrer tout à l'heure dans certains schémas, c'est un bon tiers de la surface de la Terre qui n'est plus habitable. Alors dites ça à nos amis. Qui fantasme parfois au-delà du raisonnable, je ne dis pas qu'il n'y a aucun problème, mais qui peuvent fantasmer au-delà du raisonnable les courants migratoires, là vous rigolez. Là, sur quelques décennies, c'est des centaines de millions de personnes. Et puis ils ne vont pas nous faire des cadeaux, puisqu'ils savent que c'est nous qui, jusqu'à un certain temps, avons été responsables de ça et qui avons continué à l'être. Imaginez quelqu'un qui se trouve dans cette situation dans 30 ans, et qui apprend, et on va lui dire, que les Suisses, par exemple, ont refusé. De réduire leurs émissions. Bah, vous avez refusé de réduire vos émissions. Vous n'avez pas le droit de, de, de refuser qu'on vienne. Si on crève, si on ne peut plus habiter où on habite, c'est en partie de votre faute. Qu'est-ce qu'on va leur dire hein Donc vous voyez, le climat, encore une fois, c'est pas on va plus souvent à la piscine. Alors là, je suis euh, sur le côté physico-biologique, mais je suis vraiment dans la réduction de l'habitabilité. Il y a une partie de la Terre qui ne devient plus habitable. À ça, j'ajoute. Mes événements extrêmes. Et j'ajoute surtout la fragilisation de la production alimentaire. Hein, sachez que toutes les plantes cessent leur photosynthèse entre 40 et 45 degrés. Température à 50, maintenant, c'est sur toute la Terre. En tout cas, tous les continents. C'est devenu récurrent. En quelques années. En deux mille depuis 2018. Euh, cette année, on a un manque de production en termes de blé dur. Mais c'est que le début. Vous imaginez quand on aura presque un degré en plus de ce qu'on connaît maintenant Vous croyez que. Alors, sachez que les blés, eux, ils réagissent très mal quand on augmente. Ils sont comme nous. Dès qu'on monte dans les 30 degrés, ils n'aiment pas beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film. C'est un film français qui s'appelait Canicule, avec Moumiou et puis Lee C'est un film des années 80. Et donc, il y a la canicule, il fait 30 degrés. Non, mais là, vous rigolez, 30 degrés, c'est frais. Canicule, c'est 40 degrés, 45 degrés. Moi, la première fois où j'ai commencé vraiment à paniquer, c'est que j'invitais un ami qui venait de Bangalore, Bangalore donc quelqu'un qui venait d'Inde, et je l'invite fin mai 2003. Fin mai 2003, il y a une première petite canicule, 40 degrés à Paris. J'accueille ce collègue ami à la gare et il me dit "Écoute, t'es sympa, mais plus jamais je viens de chez toi. <laughs> j'ai passé trois jours à Paris, j'ai failli crever." Il venait de Bangalore. Je vous assure que ce jour-là, mon moral est descendu dans les chaussettes et j'ai du mal à le remonter depuis. Et je ne vous dis pas depuis 2018. Autre anecdote, j'ai un ami scientifique du climat qui a été le patron de l'IPSL, l'Institut Pierre-Simon Laplace en France, jusqu'à y a deux ans. Il est toujours climatologue, il est toujours à l'IPSL, mais ce n'est plus le patron du, du labo. Il m'a dit jusqu'en 2018, oui bien sûr, je me passionnait le climat, mais en fait... Je faisais des modèles comme d'autres font leur petit pain le matin. Je rentrais chez moi le soir, je mettais le climat de côté, j'étais peinard, un bon roman ou un bon film. Ce que je vous conseille ce soir, parce que je suis en train de vous dire. Et il me dit depuis 2008, c'est fini. Mes modèles, cette fois-ci, je les sens. Mes modèles, je les vois. Ils se traduisent autour de moi. Et là, mon ami, j'ai la pétoche. Je ne sais pas si on comprend bien, j'ai peur. <laughs> Je précise. Alors, OK, on, on avance un peu. Voilà le phénomène chaleur-humidité. Quand vous avez les deux conjoints, bah, deadly, mortel. OK Là, fichez-vous complètement des dates, elles ne veulent rien dire. Deux degrés, et en fait, non. En fait, on y est déjà, effectivement. On y est déjà, c'est ce que je vous ai dit. Et ça s'est déjà éprouvé cette année. Mais quand on approche des 2 degrés, peut-être que ces schémas sont optimistes. Enfin quand même, là, vous voyez déjà les régions. Et quand on dépasse le, 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 le jaune, ça devient chronique. Et évidemment, si on monte en température, c'est une grande partie de la Terre, la plus peuplée, qui est inhabitable. Alors déjà ici, on voit les maisons jusqu'au-dessus des collines. Imaginez si tous ceux qui vivent là se trouvent en Europe. Il faudra leur faire signe, monter en Sibérie, les amis. Il fait encore moins chaud, mais enfin bon, je ne sais pas s'ils vont nous écouter. Alors, ok, je passe, je passe, je passe. Alors, ça, je trouve ça génial. Je vais vous le lire quand même. Ça, c'est la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, c'est le texte qui est censé orienter la discussion sur le climat. Alors voilà ce qu'on nous dit. Ça, c'est l'article 3, alinéa 5, le dernier alinéa de l'article. Il convient d'éviter que les mesures prises pour lutter contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou injustifiables sur le plan du commerce international ou des entraves déguisées à ce commerce. Je vous traduis, le commerce international, c'est plus important que le climat. Et ça, c'est le texte qui en encadre la négociation. Donc ne vous étonnez pas que depuis qu'on négocie, on n'a rien fait. Ben, C'était marqué dès le départ. Et je vous rappelle que le commerce international, ce n'est pas le commerce d'antan. Hein. C'est un commerce qui part du présupposé que la Terre est plate et que les distances d'un point à un autre n'ont aucune importance. L'énergie est bon marché. Donc évidemment, avec ce présupposé, lutter contre le changement climatique, c'est impossible, les amis. C'est totalement contradictoire. Alors je fonce là, je suis trop bavard. Alors je fonce, je fonce. Alors ok, on y va. Voilà, simplement, je vais aller très vite, je vais, je vais vous donner deux exemples. Euh... Voilà, euh, deux exemples. En fait, déjà première chose, si vous prenez les, les vertébrés sauvages, les grosses bêtes, hein, les petites et les plus grosses, eh bien, euh, les vertébrés sauvages, c'est à peu près entre 3 et 4 de la biomasse des vertébrés sur Terre. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de vertébrés sauvages. Un tiers, c'est les bipèdes que nous sommes, et les deux autres tiers, ce sont nos animaux domestiques. Donc on a déjà flingué tout ce qui vivait sur Terre en, en bêtes un peu grosses. Hop, on a détruit tout ça. Et jusqu'à il y a quelques années, on disait, ouais, on a détruit les grosses bêtes, mais assez petites. Ça va, pour ne <laughs> pas s'inquiéter, il reste plein de petites bêtes. Ben non, les amis, les petites bêtes, il y en a de moins en moins. Alors, je vais vous donner deux études, toutes les deux faites en Allemagne. Franchement, pour faire la première étude, il fallait vraiment être allemand, hein, parce que c'est une étude pendant 27 ans, pendant 27 ans dans, dans à 63 endroits, 63 zones protégées, avec une, une agriculture plutôt type intégrée suisse. Et il y a des bandes, les champs sont espacés de bandes, et dans ces bandes, on met des tentes malaises c'est-à-dire des tentes pointues, on met un petit récipient, puis toutes les petites bêtes volantes, elles viennent se noyer dans le récipient. On mesure ça une ou deux fois par jour sur 27 ans. En 27 ans, vous avez entre 76 et 82 de prise en moins. En 27 ans. Donc un effondrement. Là, c'est les insectes volants. Deuxième étude, allemande toujours, mais cette fois-ci, sur 300 sites. Et cette fois-ci, l'étude ne porte pas simplement sur les insectes volants elle porte sur l'ensemble des arthropodes, dont les insectes. Les arthropodes. Bah, c'est l'envers des vertébrés. Les vertébrés sont structurés à l'intérieur, les arthropodes sont structurés à l'extérieur avec une carapace c'est articulée. Hein, pensez à ces pauvres petites bêtes, il faut qu'elles puissent bouger. Et donc là, on fait des pièges dans le sol, des pièges dans l'air, on en met partout. Et en 10 ans. Et on fait bien la distinction cette fois-ci entre prairies et forêts. Dans les prairies, on a en 10 ans à nouveau 80% en moins. Donc ça s'accélère. L'effondrement des effectifs s'accélère. 40% en moins dans les forêts, les forêts sont un peu mieux protégées. Et puis là, surtout, on repère cette fois-ci aussi ce qui se passe en termes de diversité d'espèces. Et là, c'est 36% en moins, aussi bien en forêt d'ailleurs qu'en prairie. Donc en fait, le deuxième étage de la vie, en dessous du premier, les vertébrés, s'effondre. Si vous voulez, nous sommes une espèce... On est une sorte, si vous voulez, de hooligan à l'échelle du vivant. Dès qu'on voit quelque chose qui bouge, qui bouge, paf, on le tue. C'est à peu près notre comportement. Vous jugerez comme vous voulez, mais ça ne me paraît pas complètement optimal. Alors, là, c'est résumé, c'est un indicateur sur les. Comment c'est l'indicateur des limites planétaires. Vous avez 11 indicateurs, mais on en met deux ensemble. En bas, c'est les flux de phosphore et d'azote qui sont attachés à nos activités agricoles. En haut, on va mettre ensemble le, le, le taux d'accélération de, de la disparition des espèces et puis l'effondrement possible des écosystèmes. C'est là où vous avez un point d'interrogation. Et du coup, ça vous donne 9 limites. Comme vous le voyez, là où il y a un point d'interrogation, on n'est pas capable de calculer. On n'a pas de seuil à partir duquel on peut dire que ça devient de plus en plus dangereux. Quand c'est vert, c'était l'Holocène. Ça marchait bien. Bon équilibre. Quand c'est jaune, ça commence à sentir le roussi. Et quand ça tire au rouge, alors là, ça, ça va mal, les amis. Donc, c'est jaune pour le climat. Ça tire déjà au rouge pour la vie sur Terre pour les, les flux agricoles, et c'est encore jaune pour l'usage des sols. Et ça va devenir jaune pour l'utilisation de l'eau douce d'ici une quinzaine d'années. On va être dans le jaune. Et maintenant, enfin, un peu plus, peut-être une trentaine d'années. Et puis 10, 10 ans, 10-15 ans, pour l'acidification des océans, c'est un effet simplement du changement de la composition chimique de l'atmosphère. Le, le dioxyde de carbone est simplement acide. Et, et vous savez, l'atmosphère la, la, capte une grande partie du carbone qu'on émet, donc s'acidifie. Et donc là, vous voyez que on en a quatre, on en aura très rapidement six, et certains autres, je ne peux pas calculer. Donc, en fait, on, est, on va être complètement sorti de l'Holocène. On est vraiment rentré dans un état du système Terre qui est très profondément différent de ce qu'on a connu et qui va déployer au fur et à mesure ses, ses, ses effets. Ok, alors là c'est pour les ressources, c'est très simple, les ressources, bah, vous voyez, là c'est tout ce qui est fossile, je, je, je vais très rapidement parlé. parler. Là c'est intéressant, alors on en a un peu plus, là, là vous avez que quelques pourcents de renouvelables, on en est maintenant à, à, à 10%, les renouvelables au monde c'est je crois même 12%. Donc il y a des pays qui les ont fortement développés, l'Allemagne c'est 43% de son électricité qui est produite qu avec des renouvelables, et contrairement à ce qu'on dit souvent, ça n'a pas amené du tout au début, mais plus du tout maintenant, les émissions moyennes de gaz à effet de serre à augmenter en Allemagne, c'est faux. C'est totalement faux. 43%, c'est pas négligeable. Simplement, quand même, ce que nous montre ce schéma, c'est que jusqu'à maintenant, on n'a pas su faire autre chose qu'augmenter toujours nos consommations d'énergie. On est insatiable. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez un avion de ligne, vous allez du Caire à Seattle avec un Airbus. Vous, avez, et vous faites un aller-retour. Vous avez consommé autant d'énergie que ce qui avait été nécessaire pour édifier les trois grandes pyramides de Gizeh. Juillet 2019, pic de l'aviation aérienne, vous avez jusqu'à, dans une des journées de, 2018, de, 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 de juillet 2019, vous, avant, avant la Covid, vous avez jusqu'à 200 000 transactions. Donc on a construit 600 000 pyramides. Faites revenir, je ne sais pas moi, Kefren ou Keops, dépression immédiate. Ils construisent 600 000 pyramides par jour. Moi, j'en ai construit une en 40 ans. Mais ça vous montre à quel point nous sommes devenus fous. Nous sommes devenus complètement fous. On est dans une hubris, une démesure totale. Alors, après, on vous dit qu'il faut réduire nos consommations, c'est punitif. Non, bah attendez, vous avez un cinglé dans une chambre d'asile. Je suis désolé, c'est la camisole de force. Sinon, vous ne rentrez pas dans sa pièce. Nous sommes fous. C'est sûr qu'avec des petites mesures, ça ne changera pas beaucoup nos comportements. Il faudrait qu'on ait des mesures plus importantes, dont on ne veut pas. Là, c'est pour simplement vous montrer, j'ai plus le temps parce que l'heure passe. En fait, c'est, si vous voulez, euh, l'énergie, ça c'est important. Il faut bien que vous compreniez ça. L'énergie, c'est un ratio. L'énergie, les, les êtres humains ne sont pas capables de la, de la produire. C'est une métaphore. On ne produit pas d'énergie, elle est constante sur Terre. Ce que les êtres humains savent faire, c'est la capter. C'est la transformer, la transporter. Et je vous le donne en mille, ça demande quoi Capter, transporter, transformer l'énergie Ça demande de l'énergie. Donc en fait, l'énergie, c'est toujours un ratio entre l'énergie que je mobilise et celle que j'arrive à récupérer in fine. Une fois déduite, celle que j'ai mobilisée. Donc vous voyez, la tendance, c'est que toutes, toutes nos sources d'énergie vont vers le bas, c'est-à-dire que le ratio est de plus en plus faible. Je récupère de moins en moins d'énergie. Alors. Là, c'est les ressources halieutiques sur les plateaux continentaux au début du XXe siècle. Et le, le schéma suivant, il y a déjà 20 ans, il ne restait plus grand-chose. D'accord Ça, ça vous suffit, etc. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ça C'est là que ça se corse, les amis. Qu'est-ce que je peux faire ben, La grosse difficulté, c'est que... Première chose qu'il faut comprendre, c'est que chaque année, on accumule, vous vous en souvenez, on, on rajoute 50 milliards de tonnes. Donc... Plus j'attends, plus j'attends, et plus l'espoir que j'ai de stabiliser la température lui-même fuit vers l'avant. Maintenant, notre espoir, il est un degré c'est totalement irréaliste. Il est sans doute plutôt vers les 2 degrés. Et si on attend encore, c'est-à-dire si on ne fait rien l'an prochain, l'année suivante, etc., et moi je vous parie que c'est à peu près ce qui va se passer, ben, après ça sera 2 ,5 degrés ça sera 3 degrés. En fait, plus on avance et plus on referme des fenêtres d'action. Et ça, on l'a compris qu'à la fin de la décennie 2010. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, c'est qu'il faut aller très vite. En fait, nous dit le GIEC. Alors, il nous disait ça déjà en 2018. Mais attendez, en 2018, ça fait déjà maintenant trois ans qu'on a continué à accumuler. 150 milliards de tonnes en plus, c'est déjà, déjà plus vrai, ça marche déjà plus. Et en plus ils nous disent en 2018, mais c'était fait sur des schémas de 2015, donc euh, bon, merci Jack. Alors, en fait, il faudrait en 10 ans réduire en gros hein, de 7% par an, et réduire de 7% par an sans Covid, sans demander à tous les gens de rester chez eux. Waouh, c'est un sacré truc et au début, je vais le faire avec des techniques qui sont vraiment... Évidemment, les premières années, elles n'ont absolument pas changé. Ce sont les mêmes. Donc, effectivement, c'est que des modes de vie. Alors, regardez bien. Pour un pays comme la France, ça aurait été 76 de mobilité en moins. Déjà, ça serait resté chez moi. Je suis désolé. Mais bon. Ensuite, c'est un résidentiel. On le réduit. C'est... Alors, ça, c'est pas... C'est déjà de que mais, bon, mais en termes de comportement, ça change beaucoup. Les biens, les services, c'est pareil, réduction de trois quarts. Les vols, réduction de trois quarts. L'alimentation baisse énormément. Tout ce qui est alimentation carnée, surtout viande rouge. Bon, waouh, allez vous présenter à Belinzonet avec ce programme électoral. Alors moi, je l'ai fait en France. Hein. J'ai fait 1,8 C'est déjà un miracle. Je suis allé à la cathédrale et j'ai déposé plusieurs cierges. En plus, avec vingt-neuf euros, je ne vous dis pas c'est rien. En fait, je devrais être dans tous les billets du monde, parce qu'en termes de ratio, sur les nombres de voix et finances déployées, je suis absolument imbattable. On a déclaré pour notre campagne vingt neuf euros, c'est rien. D'autres candidats concurrents qui ont fait moins que moi ont dépensé à peu près tous un peu plus de 2 millions d'euros. Moi, 29 000. Et ce pas moi, hein, en plus. Bon, Mais bon, peu importe. Donc, voilà. Alors, quand même, maintenant, je vais vous montrer un schéma quand même plus sympa, euh, beaucoup plus sympa. Euh, alors, ça, c'est pour vous donner le moral après, mais je vais quand même donner un autre schéma qui en donne un peu le moral. Là, c'est vraiment intéressant. Euh, vous avez en bleu le, les petits camemberts, les petites tranches de camembert en bleu clair. C'est les différents indicateurs de satisfaction des besoins sociaux de l'ONU. Sur le, le, le bien-être, là le premier, c'est mal fait, c'est faux. Ça ne marche pas du tout comme ça. On sait très bien, et on le sait depuis 1974 d'ailleurs, que vous avez plus de corrélation directe. Une fois que quand vous avez atteint un certain stade de richesse matérielle, quand vous en rajoutez... Ce n'est pas le nirvana, les amis. Dans les Trente Glorieuses, on a eu des appartements plus grands. On n'était pas obligé d'aller à moins 20 pour aller faire ses besoins à la nuit. Hein. Il y avait des WC dans les, dans les maisons. Les appartements étaient plus salubres, étaient plus grands, etc. La croissance du PIB a vraiment débouché sur l'augmentation du bien-être. Mais ça, c'est les infrastructures. Une fois que vous les avez, si vous, voulez, si vous passez de l'iPhone 10 à l'iPhone 12, je ne pense pas que ça va vous transporter au ciel. Si jamais c'était le cas, je vous conseille d'aller voir un psychiatre assez rapidement. Donc, et au contraire, on a le, le, le surcroît de PB a plutôt tendance à détruire certains aspects de bien-être. Donc c'est mal foutu, mais peu importe. Là, vous voyez, le Sri Lanka, qui n'est pas un pays connu pour une richesse matérielle absolument délirante, eh hein. bien en gros, en moyenne, c'est toujours délicat de moyenne, mais en moyenne, quand même, l'essentiel des besoins est satisfait. Avec une empreinte écologique qui est de 0,7 à 0,8%. C'est intéressant. Ça veut dire que si on sait, si vous voulez changer nos infrastructures, si on sait faire des bons choix, si on ne se prive pas pour rien, il faut que ce soit efficace et il faut qu'on qu garde un standard de vie et de bien-être. Même, je pense qu'on pourrait avoir un bien-être largement supérieur à celui d'aujourd'hui, avec une base matérielle qui serait plus réduite, mais mieux conçue, sur tous les plans. Donc, c'est la transition qui est très dure. Mais après, sur la durée, on peut avoir un standard de vie intéressant. Là, vous avez, à gauche, le pays de Donald. Donc là, c'est même faux, parce que, euh, comment dire, bien-être aux États-Unis, non, mais vous rigolez. Moi, je vous renvoie au livre d'Anne et Angus Deaton. Angus Deaton, c'était plutôt, au contraire, un chantre du néolibéralisme. Ce n'est pas du tout un gauchiste. Dans leur dernier livre, qui s'appelle « Mort de désespoir », qui remonte les statistiques à la fois en baisse de l'espérance de vie, en baisse de l'espérance de vie en bonne santé, en baisse du niveau de santé, en taux de suicide. Voyez, tout ce qui est petit blanc mal aux États-Unis, c'est une catastrophe. C'est un effondrement. Et vous rajoutez à ça le, le livre à peu près publié dans la même année de Michael Sandel, qui vous montre que c'est la méritocratie de marché américaine. Qui condamne les autres au désespoir et à la misère. Donc ça, c'est de la blague. C est, c est, cet indicateur-là, bien-être, c'est mensonger. J'en veux à cette équipe qui a fait ça à cause de ça. Et, et là, vous avez un pays qui a cinq planètes. C'est-à-dire, pour un tas de sa population, c'est comme s'il mangeait cinq planètes. C'est-à-dire que, en fait, il ne vit plus du tout sur, euh, comment dire, la rente planétaire, mais il, a, il mange le stock planétaire. Et pour ne même pas avoir un niveau de bien-être correct, en réalité. Sinon, ces gens-là ne voteraient pas pour un cinglé comme Trump. Je suis vraiment désolé. Il y a des raisons à cela, des raisons très objectives. Donc, si on était raisonnable, on pourrait s'en tirer. Et si je regarde ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, il y a des gens qui sont raisonnables. Je vais vous les montrer. Ils existent, les gens raisonnables. Ils existent. C'est rare, les gens raisonnables, mais ça existe. Et ils existent dans certaines grandes institutions. Et en général, là où vous trouvez les gens raisonnables, c'est quand même pas de chance, c'est là où ils n'ont pas les mains sur les manettes. Tous ceux qui ont les mains sur les manettes, ce n'est pas tout à fait juste, hein, je simplifie, ils sont quand même en général un peu moins raisonnables. Alors, qui sont les gens raisonnables ben, Par exemple, et c'est même parfois très très étonnant, vous prenez l'Agence internationale de l'énergie. Il y a encore quelques années, en 2018, ils sortent un rapport, c'est une catastrophe, on va manquer de pétrole liquide dans la décennie. Tout simplement pourquoi Parce que, évidemment, pour tout ce qui est pétrole conventionnel, on a atteint le pic en 2008, donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, sur Terre, on consomme à peu près 100 millions de barils jour. Sur ces 100 millions, vous avez 30 millions de, pétrole, de barils de pétrole liquide qui ne viennent pas des gisements conventionnels. C'est énorme. C'est un tiers. Et donc... Mais ça, c'est essentiellement euh, huile de schiste et gaz de roche-mer nord-américain. Et là, on pense que ça y est, on va toucher le pic. Et donc, en fait, si vous voulez, le, le pétrole, c'est bizarre. On n'est pas capable d'exploiter de, de, un gisement pétrolifère jusqu'au bout. On n'exploite que. Imaginez qu'un gisement de pétrole, ça ressemble à un, à un cornet de, de, de cornflakes. On arrive à manger la moitié du cornet, et ensuite, si je veux prendre des flex qui sont dans la deuxième moitié du cornet, j'ai besoin de plus d'un flex par flex Donc on arrête assez vite. En revanche, qu'est-ce qu'on peut faire On mange le dessus du paquet. C'est ça, les gaz de rochemer et l'huile de schiste, c'est le dessus du paquet. On mange le paquet. Donc évidemment, c'est moins rentable et tout, c'est plus, ça coûte plus coûteux, mais quand même, on a quand même de l'énergie au bout du camp. Et donc le seul endroit où ça allait être à peu près possible de manger le dessus du paquet, ça serait la Russie. Mais il faudrait beaucoup d'investissements. On n'a pas investi. Donc, il y a trois ans, l'Agence internationale de l'énergie tire le signal d'alarme. Il y a deux mois, non, trois, quatre mois, ils, ils publient un rapport en disant Stop on, arrête, on doit arrêter toute exploitation de tout gisement nouveau. Tellement la situation est grave. Bravo Voilà une agence qui, jusqu'à maintenant, nous a encouragés à toujours aller chercher plus d'énergie, qui, cette fois, nous dit On arrête, c'est trop dangereux. Waouh Bravo vous avez certaines des hautes cours de justice. Vous avez, la première, c'était la Cour suprême hollandaise, qui, dans l'affaire Urgenda, c'était une association qui portait plainte contre le gouvernement hollandais, a donné raison à l'association contre le gouvernement hollandais, en l'obligeant à descendre son niveau d'émission. Une simple cour locale euh, hollandaise, il y a quelques mois, a intimé l'Andre à la Shell, qui, qui, qui est une compagnie hollandaise d'origine, de réduire d'ici à 2030 de 45% ses émissions. Et c'est universel. Vous avez le Conseil d'État français, qui jusqu'alors n'avait rien à faire des questions d'environnement, a demandé au gouvernement Macron, mais voilà, vous avez fait une loi euh, climat-résilience qui est ridicule, vous êtes engagé à réduire de 40% vos émissions, vous allez faire comment Silence. <laughs> mais on a quand même demandé une feuille de route au gouvernement. Vous avez la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, donc l'Allemagne fédérale. Jusqu'alors, ce sont des gens qui se sont occupés que d'inflation. J'exagère à peine. Et là, ils ont intimé l'ordre au gouvernement allemand d'augmenter ses émissions, ses réductions d'émissions, et simplement au nom des générations futures. Aucun autre texte, simplement celui-là. L'agence européenne de l'environnement est très intéressante. Elle nous dit le seul moyen de nous en tirer, c'est de faire moins d'objets et d'aménager moins d'infrastructures. Désolé, mais ça s'appelle décroissance. Alors après, on peut essayer de pallier ça avec, en mettant sur pied des activités humano-centrées ou, ou nature-centrées qui seraient très légères en matière et en, et en énergie. C'est ce qu'on va devoir faire. Mais n'empêche que l'orientation, c'est une rupture totale. Évidemment, vu où on en est, il n'y a qu'une rupture qui nous permettrait. Et cette rupture est très difficile politiquement et moralement. Et de manière, si vous voulez, générale, ce qui nous amène là, c'est le Comment dire, là on va être sur quelque chose de plus philosophique, si vous voulez, mais c'est le, le, la mutation de civilisation qu'on a connue à compter la fin du XVIe siècle. À compter la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, est né ce qu'on appelle le mécanisme. C'est-à-dire que et il s'est imposé dans toutes les têtes savantes de l'Europe, et au départ sans qu'elles communiquent, l'idée selon laquelle la nature n'était qu'un agrégat de particules, particules purement matériel, sans sensibilité, sans intelligence, sans intériorité. Que la nature, ça n'était que ça. Régie par la loi du mouvement, plus tard la gravitation universelle. Et donc évidemment, si on pense ça, on pense ipso facto que l'humanité est étrangère à la nature. Et là, vous voyez le recouvrement qu'il y avait entre la science moderne naissante et puis la manière dont on avait fini, je dis bien la manière dont on avait fini par interpréter la Bible et notamment le livre de la Genèse. On l'a réduit grosso modo à Genèse 1, 26, 28, hein, où vous êtes les seuls à avoir été créés à l'image et à la ressemblance du Créateur, et donc vous êtes appelés à dominer tout ce qui vit sur Terre. Mais vous savez, il y a d'autres passages qui disent autre chose. Hein. Donc on, on a fini par réduire ça, et donc dans les deux cas, on a l'idée d'une humanité qui est totalement étrangère à la nature. Si l'humanité est étrangère à la nature, ben son développement est forcément un développement anti-nature. D'arrachement à la nature, de destruction à la nature. Et c'est effectivement comme ça qu'on l'a entendu. Le progrès est un arrachement à la nature parce que l'humanité, par destinée, est étrangère à la nature. Et vous avez un, un physicien soviétique, un astrophysicien soviétique qui s'appelait Nikolaï Kardashev. Il a été euh, vulgarisé par Michio Kaku, beaucoup plus connu. Il disait qu'il y a trois types de civilisations type 1, type 2, type 3. Type 1, le. On détruit jusqu'au jusqu noyau de la Terre, on, on commence. Type 2, on a déjà détruit la Terre, donc c'est fini, on détruit le système solaire. Type 3, on s'attaque à la galaxie. Donc l'humanité chancre de l'univers. Mais rassurez-vous, elle n'ira pas jusque-là. Elle aura de gros ennuis, largement avant. Alors, désolé de vous laisser sur un constat qui est relativement douloureux, mais je ne peux pas réinventer. Pour vous faire plaisir, les données dont on dispose dans la littérature scientifique. Merci de votre attention.